pour le dernier épisode du week-end. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire 3 courses. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne veux pas faire des trop longues vidéos. Et donc aujourd'hui, on va commencer par une course de Street X. Donc c'est comme du drift, mais pas pareil, on va dire. Donc c'est sur des circuits de drift, mais c'est pas du drift. Donc voilà. Donc ils vont vous expliquer. Donc on se retrouve tout de suite. Ciao. Bon, écoute-moi bien. Le Street Cross, tu vas adorer. C'est le plus monstrueux challenge dans l'univers de la course. Ces circuits-là, ils sont hyper balèzes. Vu la place pour prendre les virages, faut régler ta bagnole comme une montre suisse. Fais tout ce que tu peux pour virer ce mec de devant ton capot parce que la corde est ton objectif. Si tu trouves la trajectoire parfaite, tu gagneras du temps. Ce qui compte, c'est pas la vitesse de pointe, mais plutôt les accélérations et une direction ultra précise. T'as pigé ? Bon, rejoins la piste alors, et bouffe-les tous ! Bon, on est reparti. Moi, je vous dis clairement, ça, c'est une partie que j'adore, que j'aime bien, on va dire. Mais moi, je joue pas comme... en fait, en gros, cette partie, je la préfère comme ça, en vue par choc. C'est là que j'arrive mieux à gagner, en fait, ce style de course-là. Et je vous dis clairement, moi, je vais rester dans cette vue-là pour faire cette course, parce que c'est là que c'est comme ça que je suis meilleur. Tu as arrêté de me pousser, saloperie, là. Attends, il y a l'autre couillon qui s'est mis. Donc voilà, je recommence quelques parties. Ça va pas être souvent, parce que la première ou la deuxième fois que je l'ai fait, j'avais pas eu besoin de faire ça. Donc je vais éviter de le faire, mais je vous dis pas que je vais pas le faire. Dès que je vais avoir besoin de recommencer, je le ferai, parce que c'est vrai que c'est pas... très intéressant de voir quelqu'un qui perd. Je vais pas trouver non des excuses à chaque fois. Je suis pas quelqu'un de super bon non plus. Mais le truc, c'est qu'il faut pas perdre de vue ceux de devant et arriver à faire des trajets les plus courts possibles face au mur intérieur et les plus rapides. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut être le plus près possible du mur et arriver à aller le plus vite possible, en fait. Donc voilà, je vous dis clairement, moi c'est comme ça que je joue. Après, je vous dis pas que je suis très bon là, mais bon, on va dire que je me débrouille. Le Street X, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien, on va dire. Un peu moins bien que le drift, mais ça dépend quand, ça dépend comment, parce qu'en gros les pneus, voilà, ils... Ça dépend quand on change les pneus ou pas, parce que si on met deux pneus, c'est pas top top, en fait. Dégaine. Donc voilà, je sais pas, j'ai dû leur mettre 2 secondes, je crois, non. Ouais, j'ai mis 2 secondes dans les dents, ou presque. Une seconde 8, je crois. Non. Ouais, une seconde 8. Et on a gagné 250 points. Ben, 250 pièces, 250 d'argent, voilà. Et donc c'est notre dernière vidéo du week-end. Donc j'espère que ça vous plaît. Que on va circuit, je crois, drague. Ah, drague, ça va pas être top. Allez, on va se faire du drift, on va traverser la ville, les gars. Et tu sais ce qu'on dit, gagner c'est pas le tout. Le but ultime, c'est d'humilier ton adversaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire par exemple si vous trouvez que je joue bien, mais bon, je pense que c'est pas trop le cas. Parce que je suis pas non plus quelqu'un d'expert, en fait, de très très bon. Par contre, j'aime pas jouer. En gros, le jeu, je l'aime pas en vue normale. Par contre, après, tout à la fin, on va aller acheter une nouvelle pièce pour la voiture. On va aller s'acheter la puce. Pour aller un petit peu plus vite et déjà comme vous voyez quand même la voiture est toujours un petit peu lente quand même en tout cas on a encore un effet de lenteur mais le truc ce qui est bizarre c'est que j'avais quand même réussi à foutre le jeu quand même en 17 fps et puis là je le garde à 11 fps et comme vous voyez ça rame bien mais par contre je m'en tire plutôt bien, j'arrive bien à le gérer, on va dire. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire, franchement, on va dire. Parce que le jeu rame un peu, mais bon, bah.
parce que j'ai quand même l'impression que le jeu est vraiment il est obligé d'avoir quand même et pourtant j'ai boosté mon ordinateur et tout, donc c'est un peu bizarre, mais bon, tant pis. Donc là, bref, on a fait les deux parties, on va faire les deux parties que je maîtrise le mieux, on va dire. Excusez-moi pour le bruit, j'ai des voisins qui font des travaux, donc voilà, excusez-moi, top. Là, on va faire l'aide d'explication. Le drift, c'est 1, le style, et 2, la maîtrise. Concentre-toi sur ces trois mots, vitesse, direction et frein à main. C'est leur combinaison qui te permet d'engranger un max de points en réussissant des super manœuvres. Vas-y mollo avec la pédale de frein, parce que plus tu vas vite, plus tu dérapes et plus ton score sera canon. Ton score détermine ton multiplicateur, celui-ci affecte le score de ton prochain drift. Alors, assure-toi qu'il est élevé. Dès que tu maîtriseras toutes les subtilités du drift, tu pourras commencer à les exécuter sans transition. Enchaîne-les en un long dérapage continu et tu marqueras un max de points. Bon, si tu te sens prêt et que tu veux frapper un grand coup, va laisser de la gomme sur les bas-côtés. Plus tes pneus dérapent dans les couloirs bonus et plus tu marques. Fais juste gaffe à pas te prendre un mur ou tu perdras tout. Bon, maintenant fonce et fais fumer le macadam. Bon, voilà les amis, on est revenu après cette petite introduction expliquant comment fallait drifter, même si moi j'utilise jamais le frein à main, mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai réussi à faire de très jolis scores, on va dire, assez intéressant, on va dire, parce que voilà. Donc après cette vidéo, à la fin de cette vidéo, on va aller à l'atelier performance qu'on a découvert au dernier épisode pour aller améliorer la voiture, bien sûr. Là on est troisième. Mais le trouillon qui me colle là. Donc je peux pas drifter. Donc voilà. Là je dis que je suis bon et puis à la fin je me croûte et tout. Je suis encore une façon de parler. Mais c'est vrai que là j'ai pas rajouté de moteur ni rien. Donc je peux pas vous prouver, on va dire, que je suis très bon, même si là déjà ça vous prouve un peu quand même que je suis pas noobesque, mais bon. Donc voilà, là il doit commencer à me dire qu'il me reste plus de 30 secondes. Vous voyez, j'arrive quand même à faire des jolis drifts. Et là, bon, on va finir sans drifter parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, 20 000 points. Donc il ne nous reste plus qu'une course à faire. Et je pense qu'on va aller installer tout de suite la petite pupus. Et après, on sera tranquille et on pourra faire une course normale. Ouais, on pourra aller faire une course très vite. Les 8 teintés. Okay. J'en veux pas de même pas pour l'instant, en tout cas. Tac tac tac, on a 900 points. Il nous reste combien de courses? 3. On va aller se faire la petite course de drague après. On va pas s'embêter, hein. On va y aller tout de suite, franco. Si on n'arrive pas, on fera les deux autres au prochain épisode. Et comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Et après, on pourra aller de plus en plus vite et d'être assez intéressant et tout. Parce que le but c'est d'aller quand même assez vite et de pouvoir mettre un maximum de chances de notre côté. Voilà. Et parce qu'en fait, en gros, je veux faire des vidéos le plus courtes possible et le plus intéressant. Non, là, non, je l'ai déjà, c'est la puce que je veux. Non, elle coûte pas si cher. La machine, bon, on va mettre ça, je m'en fous complètement. Voilà, hop. Donc voilà, n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez
de mes vidéos, de tout ce que je fais sur YouTube. Pour l'instant, j'ai que 3 séries à peu près en cours. J'ai celle-là, quoi, que je viens de commencer. Et j'ai celle de Car Mécanique et j'ai celle de Eurotruck. Mais Car Mécanique, bon, on va dire que peut-être qu'il n'y en aura pas cette semaine, mais il y en aura peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore comment je vais me démerder. Si je tourne encore après, pendant pas longtemps, mais je pense qu'après je vais décompresser un peu. Parce que c'est vrai que tourner pendant une heure, c'est un peu chaud. Bien. Si c'est une heure sur le même jeu, mais pour faire une vidéo, ça va. Mais si c'est une heure pour pas faire le même jeu et être tendu comme un string, c'est vachement plus dur. Donc, excusez-moi encore pour le bruit, parce que je sais pas, j'ai des voisins qui font des travaux. J'espère que ça s'entendra pas trop, mais je pense que ça va bien s'entendre comme il faut. Donc normalement ça devrait plutôt bien se passer, on va dire. Hey mec, le drag c'est un truc qu'on a tous dans la peau. Bon, le truc pour passer en tête c'est le contour. Démarre juste au bon moment et les autres te verront partir comme un avion. Mais si tu traînes, tu vas te faire larguer. Tout de suite après le démarrage, il y a un premier changement de vitesse. C'est la clé de la victoire. Avec des rapports parfaits, t'auras un max de puissance. Mais attention, trop court, trop long, c'est la dernière place assurée. Bon, maintenant, si un gars te double, reste calme. Glisse-toi dans sa roue et colle-lui au train. Avec l'aspiration, tu gagneras la vitesse nécessaire pour le griller. Là, on rigole plus, mec. T'es prêt? Cool. T'as plus qu'à aller là-bas montrer ce que tu vaux. Donc voilà, on arrive, on va faire la course et on va la ridiculiser. Non, je pense pas, je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux fesses. Donc on va faire. Non, c'est pas très grave. Donc j'espère que quand même ça vous plaît, que mes vidéos vous font plaisir, parce que franchement, je me donne à fond. La noce, c'est pas mon. Ouais. Je suis tout le temps sur régime. Quoi. Allez, faut que je me mette dans son sillage. What? Qu'est-ce qu'il fait ce couillon? Donc voilà, hop. Là pour l'instant je suis deuxième, on va essayer d'arriver premier, hein. Je vous garantis rien. On va pas y arriver. Ah merde! Ah chiotte, en plus il est passé ce couillon! Bon, donc on va se quitter sur une. Un échec, on va dire. On la refera dans le prochain épisode. Donc moi je vous dis à plus, donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode de la série sur Need for Speed Underground 2. Donc certainement que la prochaine fois on fera le circuit de sprint et après le drag. Donc on mettra soit le moteur, soit suspension ou un autre truc comme ça, ou transmission peut-être plutôt. Pour pouvoir faire le drag, ou si j'y arrive vraiment pas, je le ferai moi de mon côté, parce qu'il y aura certainement plus de fluidité et je pourrais peut-être le faire plus facile. Donc, voilà. Et donc je vous dis à plus, ciao.